Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo en mode Release Candidate 2. Semble-t-il la dernière avant la sortie complète de Bundle of Bravery. C'est ce qu'on peut lire dans un post sur le site minecraft.net. J'ai tenté de télécharger la version modé, mais elle n'est pas encore sortie, donc je joue toujours sur la version Release Candidate 1, mais je crois que dans les quelques bugs qui ont été corrigés, il n'y a pas grand chose qui va me concerner moi. Il y a un bug qui concerne un son. Non, la balise on ground du joueur n'est pas mise à jour lorsqu'il est à bord d'un véhicule. Je savais même pas qu'on pouvait être à bord d'un véhicule, mais bon, bref. Le son des feuilles qui se brisent sur un mob à cheval n'est pas joué en mode survie. Ça, c'est corrigé. Le comportement du chariot de mine est modifié, même si les expériences sont désactivées. D'accord. Expérience ou expérimentation, j'imagine. Et enfin, les mises à jour de blocs de rupture peuvent cesser de fonctionner dans un bloc. Je comprends rien, mais c'est ce qui est écrit et c'est ce que j'essaye de traduire. Alors, une nouvelle vidéo pour vous signaler que j'ai trouvé un nouveau village. Voilà, tout en bas, donc le village où j'étais, il est là. Avec le bateau que vous voyez là-bas au fond. Donc ça a déjà été fait. Ici aussi. Et puis, hop, je suis reparti par là. Et vous voyez que j'ai commencé à faire des plantations. Donc deuxième village que je vais pouvoir commencer à développer. Ah, j'ai pas vu, j'ai l'impression que là-bas il y a quelque chose aussi. Bon, j'irai peut-être voir. Ah si, je crois que j'ai été voir. C'est un portail du Nether. Donc intéressant aussi. Mais le but du jeu aujourd'hui, le but du jeu de cette vidéo, c'est pas ce village. C'est bah, donc les quelques informations sur le fait que la version 1.21.2 de Minecraft va être certainement publié cette semaine et on devrait avoir donc toutes les expérimentations que l'on peut avoir aujourd'hui quand on joue en snapshot, ce qui est mon cas, et bien vous les aurez directement dans le jeu. Voilà, donc très intéressant. Et pour fêter ça, on va essayer de pas mourir. Et surtout, on va essayer d'aller chercher, et oui, ici, vous pouvez le voir, j'ai la carte qui va bien, oups là, pardon, la carte de la chambre des épreuves. Donc, on va l'utiliser pour repérer les lieux, donc certainement par ici. Entre deux cours d'eau, pas loin là-bas. Mais avant ça, il va falloir s'équiper pour pouvoir descendre. Et donc l'idée, ça va être de couper du bois, hop, de faire des échelles pour pouvoir descendre tranquillement. Je pense que je vais utiliser ma technique de descente un peu classique. Je mine en dessous de moi pendant 5 ou 6 blocs. Je sécurise tout ça avec des échelles. Et puis je continue à descendre. Le fait d'avoir maintenant les cartes qui nous sont généreusement données. Non, échangées. C'est pas généreux. Par les cartographes, c'est vraiment le petit plus. Et ça donne. Ça donne un autre objectif en fait au jeu. Ah oui, vous avez vu hein, ma technique de faire évoluer des villages avec l'évolution des villageois. Ben voilà, on récupère ce genre d'outils. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une efficacité 3. Je crois que c'est 3, hein, je crois. Ouais, c'est ça, solidité 3. Voilà, donc ça
défonce les arbres en moins de 2. Et potentiellement, je vais pouvoir faire une descente tout à fait tranquille. Allez, ça suffit. 47 comme ça, 33 comme ça, on est bon. Vous avez peut-être pu observer aussi le niveau. Alors, je ne désespère pas, de, pour ceux qui avaient suivi les précédentes vidéos, de remettre en route le day counter, donc le nombre de jours depuis lequel on joue, mais qui fonctionnait sur la version précédente et qui aujourd'hui n'est plus implémenté correctement. Mais pour ça, il va falloir que je me plonge dans le code, et je dois vous avouer qu'en ce moment, c'est pas trop mon truc. Alors, ah oui, j'étais bien là sur le plateau tout en haut, moi. S'il faut que je descende. Zut. Bon, bah, je vais faire comme ça. Je vais me débarrasser de ça ici. Ouais. Le jour est en train de tomber. Oh, bah ça y est, il fait même nuit. Allez, on descend. Ouais, pas trop vite. C'est par ici que ça se passe. C'est par là. Il y a de l'eau. Ouais, il y a de l'eau juste à côté là. Oh, c'est pas cool. Ah, par contre là-bas. Très intéressant. Bon, j'ai vraiment un gros doute sur le fait de descendre maintenant, mais ça vaudrait le coup quand même d'essayer. Allez. Hop. Pourquoi je fais ça? Bah, tout simplement parce que j'ai pas envie qu'un creeper me tombe dessus et m'explose la tronche. Donc on va faire à partir d'ici, tout simplement. Maintenant qu'on est à peu près tranquille, je vais pouvoir enlever ça. Potentiellement. Je pense que... Est-ce que je peux être au mieux que ceci? Je ne sais pas. Là, je pense que je suis vraiment dans le top. Hein, on est d'accord. C'est ici que ça se passe. Donc... Hop. Une petite boîte pour ranger tout ce dont je n'ai pas besoin, à savoir ceci, cela, tout pareil, bah là non plus, et c'est parti pour hop. Ouais, là je pense que tu peux exagérer, non? Non, à peine. Hop. Donc techniquement j'ai deux pioches. Bon, c'est pas le top. Mais c'est mieux que rien. Eh ben je m'en doutais. Ah génial, j'avais dit hein, tout à l'heure il y avait de l'eau. Parce qu'effectivement, il faut que je puisse avoir de la lumière de temps en temps.
sans regarder ce qui se passe autour de moi. Ok, bon, je dois vous avouer que je suis pas très confiant dans cette descente. Et comme je vous ai pas montré un truc. C'est quoi cette faille? Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même remonter pour vous montrer. Ouais, remonter pour remonter. Non, remonter pour vous montrer. Ça, moi je prends tout. Et même mon épée contre les arthropodes. Voilà. Hop. Allez, on s'enfuit. Donc on va faire un petit retour au village et puis on reviendra en mode accéléré. D'ailleurs, je vais vous faire un mode accéléré. Hop, parce que je ne vais pas me battre. Je retourne au village. Voilà, de retour au village, vous avez pu admirer cette nouvelle grande bâtisse. Je dois vous avouer que j'ai un peu la haine parce que c'est une grande bâtisse. Ah mais non, le pauvre. Cette grande bâtisse, disais-je, n'abrite que 3 lits pour l'instant. Mettre un quatrième, un cinquième et un sixième et voire même un septième. Ouais, on va voir. Le village s'agrandit. Hop, je vous montre rapidement ici. Eh oui, j'ai eu la chance de tomber sur un très très beau gisement de fer et il y avait en même temps. Mais non. Ah bah si. Il y avait aussi du diamant, donc 15 diamants, je suis assez content du résultat. Je vais peut-être pas embarquer ça. Donc ça on était bon, ça c'est pour trouver des loups. Pas du tout. Hop là. Trouver prochainement des loups. Ça c'est pour faire cramer. Excusez-moi, je fais ma petite mon petit bazar. Donc vous avez pu voir, j'ai récupéré des ânes, mais j'ai toujours pas de sel. Donc je les ai apprivoisés, mais pour l'instant je peux pas les monter. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'étais dit 1, 2, 3. Ici, je me fabrique obligatoirement une pioche en plus. Est-ce que je fais une pioche en diams?
Ça vaudrait le coup quand même. Hein. Voilà, c'est fait. Donc avec ça, je suis bien. J'aime bien l'histoire des sacs, mais ce qui est quand même un peu gonflant, c'est cette histoire où on les sort un par un. Et dans l'ordre, enfin le dernier qu'on a sorti, c'est le dernier qu'on a mis. Ouais. Donc un petit peu chiant. Ici, c'est tout bon. Donc là, voilà, vous avez vu, la bonne descente, elle était là. Toi, t'en es où? Armurier intéressant, j'ai fait mon petit truc ici. C'est lui qui... Ah bah oui, j'ai toujours pas été... Bah non, je suis con. Mais qu'est-ce que je suis con? Je l'avais complètement oublié, ça. Je l'ai, la pioche en diamant. Ah, mais quelle naze. Bon, bah celle-là, on la gardera pour un enchantement. Ouais, parce que voilà, maintenant je pense que l'objectif ça va être de se faire un petit enchantement. Et donc pour ça il va falloir... Allez, hop là. Voilà. Efficacité 2. Très bien ça. Toi tu me proposes quoi? Non, il faudrait 9. J'ai déjà en plus donc... Mais il va falloir le faire évoluer et c'est pour ça que je m'étais dit... Ici vous voyez... fabriquer deux seaux supplémentaires et on va aller récupérer ce qu'il faut. Voilà, donc là maintenant on est paré, on peut descendre. Il y a ce qu'il faut ici, il y a ce qu'il faut ici, il y a ce qu'il faut ici. Ça c'est vraiment pas indispensable. Je pourrais les laisser par ici si j'avais quelque chose pour les laisser. Mais non, j'ai rien. J'ai un super coin. Un super jardin, ici ça grouille comme il faut. Et là on se retourne par là-bas. Ouais, j'aurais peut-être dû fabriquer une trappe. Je vais me vautrer et perdre de la vie pour rien. À côté du cheval gris là-bas. Ouais, la vache et le cheval gris. C'est ici. J'ai rien mis en fait, ouais, c'est juste nul. Peut-être se faire une petite cabane. Hop. Douze, c'est suffisant. Allez, petit truc comme ça. Que vous en pensez? Oui, mis à part le fait que je vise très mal. On se fait un petit truc comme ça là, en mode... Oui, j'en aurais pas assez. Bien vu. Quel dommage. Voilà. Hop. Ben voilà. Pas mal du tout ça. Ah oui, là j'aime bien. Hop là.
Est-ce vraiment nécessaire de le garder? Pas vraiment. Par contre, ça on prend. Ça on garde. Et on est bon. Donc là, l'idée c'est que je suis au bon emplacement, donc je vais continuer à descendre. Et bien sûr, il y a de l'eau partout. C'est reparti. Non, mais de toute façon, j'en suis sûr. Hein. Je vais me taper de l'eau partout. Vous l'avez vu, les gamelles là? Pas mal. Hein. Hop. Donc là, en attendant, oups là. Je l'entends, mais je le vois plus. Ok, il y a du monde en dessous. C'est très bien là en fait. Il est où? Ça, j'ai clairement le gardé. Il va falloir que je me retrouve de l'eau quelque part. Bah là. Et là aussi. Mais non. C'est super, je les entends, je les vois pas. Ah, il est là. Alors, le truc, c'est que faut que je descende ici, mais c'est très bien. Je vais garder celui-là et hop là. Je sais pas où ils sont, mais on les entend très très fort. D'accord, ils sont juste derrière. Il est là. Vas-y, tu me fais pas peur. Bon, un petit peu quand même. Je sais pas où il est. Vous croyez qu'il va revenir? De toute façon, si je reste dans l'eau, il pourra rien me faire.
Je me fais une petite pause là parce que juste en dessous de ça, il peut très bien y avoir de la lave. J'entends. Oh, trop beau. J'entends de la lave. Mais il n'y en a pas. Tant mieux. Et bah ça, c'est bien sympathique. Alors, je commence à douter. Je me disais, non, je suis large. J'ai vraiment fait suffisamment d'échelles pour descendre sans souci. Et finalement, je commence à douter un petit peu de trouver la chambre des épreuves. Ouais, plus que 10. Bah non, je suis tout au bout là. Je peux pas être arrivé plus bas. Bah, je rêve pas là. On est d'accord. Plus bas que ça, ça n'existe pas. Donc là, il y a quelque chose qui déconne. Et bien entendu, je n'ai pas pris la carte. Allez, on remonte. Il peut pas y avoir une aussi grosse erreur. Oh, puis je l'ai laissé tout en haut. Ouais. Raté. Ouille. Double raté. Donc arrête de faire le cake. Voilà. Ah mais c'est pas vrai. Alors, la carte, elle est là. On va garder un petit peu de ça, quand même. Bah non, je suis dessus, quand même. Non ! Mais non ! Il est revenu jusqu'ici pour me baffer la tête. Ah, le sale chacal ! Oh, il a bien joué son coup. Bon, bah voilà, en direct. L'enfoiré. Bon, bah on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec certainement la version finale de la 1.21.2. La Bundle of Bravery. Et bah une nouvelle partie, quoi. Parce que celle-ci, elle est malheureusement terminée. Allez, salut.